Bienvenue dans cette vidéo sur l'improvisation, c'est parti. Bonjour, vous êtes le RERD. Oui. Et vous vendez des baguettes de pain? Non, impossible, je suis un RER. Comme vous avez pu le voir, j'ai joué avec cet événement intérieur, extérieur, survenu. Auditif, mais aussi visuel. Une série à destination de qui? Les gens qui connaissent le théâtre, les gens qui connaissent pas le théâtre. En tout cas, c'est fait par quelqu'un qui y voit sa vie. Oh, oh, arrête, s'il te plaît. Vu une assiette pour y disposer tes larmes, s'il te plaît. Belle assiette, c'est ta mère qui l'a... Vous avez sûrement pu le remarquer, parfois au théâtre il y a un texte et parfois non. D'aucuns diraient la mer est haute, mes couilles trempent dans le sel. D'autres diraient au théâtre le plus important c'est le texte. Voilà, le texte français, Jean Racine, mon saucisson de fromage dans mon pain. Eh bien, je suis d'accord, le texte c'est très important. Et en même temps, pas toujours. Il n'y a pas de script, en fait, pour cet épisode. En France, on a ce truc assez con, vraiment chiant, hein, débile, vraiment, c'est l'islamophobie. C'est pas... Attends, ça n'a pas de... C'est de sacraliser la langue, la culture française. Qu'est-ce que ça veut dire, même? Je ne sais pas. Mais comme une sorte de petit bijou. Mettons les choses au clair. Molière, Shakespeare... C'est des troupes. Allez, où on est en mode avec la petite bouzizi, c'est des troupes. Il y a un gars, je l'admets, qui rédigeait, qui avait une certaine plume à chaque fois. Le gars existait, tu vois. Mais il partait d'écriture plateau, d'improvisation de la troupe, du groupe. Donc on va arrêter de sacraliser le texte 2 minutes, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs, tous les autrices. Hein. Racine, par exemple, il écrivait à son bureau comme un bon petit... Gars, elle fait une vidéo sur l'impro, elle a pas d'impro. Alors, moi je suis née le 4 mai 1999. J'ai d'abord été à la crèche derrière le centre commercial. Comment ça, c'était pas un choix, pas une proposition? Ah, mais donc tu t'en fous de moi, quoi. Tu t'en fous de moi, tu veux pas chercher à me connaître. Alors là, certainement pas. Maintenir une idéologie bourgeoise et réactionnaire en place, très peu pour moi. Pour t'aider à... aborder l'improvisation, je vais énumérer donc un certain nombre de techniques. Tu vas voir, ça va être un peu ce que je vais faire et développer dans la suite des épisodes, c'est mon rapport à la technique du théâtre. Dépourvu de fil scénaristique, dépourvu de logique, basé uniquement sur mon ressenti émotionnel, voilà. C'est la pire manière, hein, en général, d'écrire quelque chose d'objectif. Il y a des acteurs et des actrices à qui j'aimerais offrir une paire d'oreilles. La grosse oreille, là, dans Harry Potter. En vrai, c'est vraiment très compliqué parce que en impro, et de manière générale, en fait, elles sont mal écrites, ces vidéos. Il faut proposer le plus possible, se lâcher totalement, faire en sorte que cette petite cuillère devienne un paquebot et en même temps, surtout pas se débrancher de l'autre. Il faut proposer, mais proposer avec l'autre, être perpétuellement en écoute de ça. Et attention, 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 je te vois venir. Non, je te vois pas venir, je vois rien devant moi, il y a juste un téléphone. Quand je te dis écouter, ça veut juste dire écouter. Après ce client, on fait sauter la banque. C'est tout. Tu écoutes l'autre. Donc ça ne veut pas dire de jouer que tu écoutes l'autre. Après cette cliente, on fait sauter la bombe. Quoi? J'espère qu'on n'a pas laissé le déclencheur dans la voiture. Restez très discret parce qu'on est quand même des criminels. Mais criminels? C'est très compliqué dans un métier où tout le monde est tellement centré sur sa propre gueule, moi y compris bien sûr. Et ça marche aussi quand t'es toute seule ou tout seul au plateau. Écouter, c'est écouter la salle, c'est écouter bien sûr les spectateurs, les spectatrices, c'est écouter même, vraiment, je rigole pas, c'est écouter le décor, tout ce qu'il y a autour de toi. Il faut te transformer en énorme oreille géante.
une oreille pleine de cérumen. J'ai écrit 13-12 sur ma jambe au stylo tout à l'heure. C'est pas l'acte le moins punk. J'adore ce mot, scorie. Déjà parce que ça veut dire le résidu solide provenant de la fusion de plusieurs minerais métalliques, mais aussi parce que il veut grave dire ce qu'il veut dire. Scorie. En gros, c'est les petites poussières, les petits trucs, les petites conjonctions de coordination. Mais où est donc en Icare les petits j'ai tué ma femme, on enlève tout ça. On enlève. Aussi, il est beaucoup question de savoir prendre le temps. Wesh, il veut me lécher les tétons ce micro ou reste tranquille frère. Prendre le temps, mais gagner du temps et tricher énormément. Donc tous les outils que tu peux avoir pour gagner du temps, moi mon préf c'est répéter la phrase de l'autre en attendant de trouver. Où est le prince Hamlet dans le château? Où est le prince Hamlet dans le château? Oui, dans le château. Oui, dans le château. Le prince Hamlet. Le prince Hamlet. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Prince Hamlet, où se trouve-t-il? Le prince Hamlet, où se trouve-t-il? Mais fais la scène là, s'il te plaît, il y a du public! Tu peux aussi structurer, ponctuer ton récit d'anaphore. C'est-à-dire de répéter le même motif, la même suite de mots, le même mot en boucle, ça donnera un petit peu du rythme, du corps à ton texte. T'auras envie un peu de te déhancher. Comme vous le savez, la situation est grave. Comme vous le savez, le pays est endeuillé. Comme vous le savez, comme vous le savez, comme vous le savez, comme vous le... Je sais pas qui va regarder ces vidéos, à part ma tante. Non, je rigole, elle est morte. Mais je sais pas si ça va être des amateurs de théâtre, si tu es déjà quelqu'un d'expérimenté. Donc en fait, je me rends compte que pinailler sur le fait de faire des anaphores n'est peut-être pas le plus essentiel pour te donner envie et plutôt t'initier au théâtre. Putain, Dorothée, je m'adresse encore au même bobo du théâtre subventionné. Dès que j'ai bien moi-même, je suis devenue une bobo. Non ! Allô ? C'est pas un téléphone ! C'est une main. Je peux pas téléphoner parce que le téléphone est en train de fumer. Je détruis la biodiversité en conséquence de cause quand je suis en colère. La prochaine étape, c'est que je vais insulter la police. Il te faut un enjeu clair. Savoir d'où tu viens, où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire. Ça, tu détermines avec ton ou tes partenaires. J'ai une femme de partout. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire à l'autre? Et si t'as voté LREM aux élections, très important, si c'est le cas, tu quittes le plateau, mais cache. Et puis après, t'y vas. Oh my god!